été ? Incroyable ! Un retour réussi pour la fête d'Ansoma à Saint-Leu. Plus de 5000 personnes ont fait le déplacement pour assister au final du Tempo Festival. 450 artistes et musiciens ont défilé dans différents tableaux, hauts en couleur, et à chacun son déguisement, mais aussi sa culture, qu'on est venu partager ce soir avec tout le monde. Bah, c'était super, pour une première pour nous, c'était vraiment sympa. Et bah, du coup, c'est une bonne ambiance, donc vraiment chouette pour le coup. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Bah, les plusieurs associations qui défilent pour représenter un peu, donc c'était plutôt sympa de voir ça. Quoi. Donc, Rendez-vous l'année prochaine ? Bah, peut-être bien, oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Voilà. On n'était pas informés de cette fête et on est vraiment agréablement surprise. Il y a du monde, il y a de la musique, de la bonne bouffe. C'est super. Super. Surtout, on n'était pas du tout au courant qu'il y avait ce festival. On nous l'a dit en arrivant ici. On s'est dit qu'on allait faire un tour du coup ce soir. Vraiment. Et la culture est vraiment mise en avant et c'est super. Trop content de connaître la culture. Bah franchement, l'ambiance était bien, la bien amusée, ma venue en famille était là. Et t'es super, l'ambiance était bien. On a un peu trop de monde seulement, mais voilà. Les artistes, pour leur part, ont pu exprimer leur talent devant un public convaincu. Ah bah chaque fois c'est différent parce que c'est des thèmes différents, c'est une énergie différente, mais il y a toujours la foule ici, le public à Saint-Leu, tout ça, il aime faire la fête, donc c'est cool. Vous avez vu le festival de là-haut, vous ? Je l'ai vu bien rempli. Et les gens, le public ? Le gens et public à fond. Pour les organisateurs, cette édition 2024 de la fête d'Ansoma a été une véritable réussite. Cela est de bon augure pour l'édition 2025. On ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour Baguette, le créateur de ce Tempo Festival. Oui, franchement, Baguette. De toute façon, si Baguette n'était pas là, nous n'aurions pas connu le Tempo. Et nous, on est très contents que le festival y perdure depuis toutes ces années. Et moi, je pense qu'Ali aussi, il est content en haut, là, il garde à nous et il bénit à nous. Parce que c'est Ali aussi qui fait que ce soir, elle est belle. La Réunion, comment il est ? Faites du bruit ! Le défilé terminé, ce sont les DJ qui ont pris la relève et la fête a continué tard dans la nuit. On est tous là à La Réunion. La Réunion, comment il est ?